Salut, salut! Bienvenue les filles, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je tiens d'abord à m'excuser, désolée, j'ai été absente pendant 15 jours, mon téléphone m'a lâché, je les avais là. Mais bon, je vais pas vous expliquer mes péripéties parce que j'en ai tellement souffert de cette tragédie téléphonique que vraiment je vais pas relater tout ce qui m'est arrivé. Je vais éviter de poussionner. Parce que franchement, c'est horrible. C'est horrible. Vivre sans portable, on est devenus des vrais moutons, les amis. Si on n'a pas de portable, on dirait qu'on n'a pas d'oxygène. Franchement, je ne me suis pas reconnue. Et vraiment, ça m'a permis aussi de me poser des questions. Je me suis dit, non mais attends. Enfin bref, ça sera un autre sujet de conversation. On parlera un jour de tout ce qui est addiction et compagnie. Parce que franchement, on est des moutons, les gars. Mais bon. Quelque part on en a quand même besoin parce que sans ça moi je peux pas filmer. Donc j'ai racheté un nouveau portable, il est au-dessus, c'est le soleil, magnifique, rien à dire. Donc vraiment il est très très bien, il fait de super une super qualité photo, super qualité vidéo, de toute façon je pense que vous le verrez. D'ailleurs si tu le vois et que tu l'as remarqué, n'hésite pas le petit pouce en l'air. Bref, donc j'ai été aux noces, j'ai trouvé plein de pépites et je voulais vous montrer ça. Donc, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que vous en dites? De toute façon, vous ne pouvez pas me répondre, mais on va commencer. Donc, j'ai trouvé des petites assiettes comme ceci. Voilà, trop choupette. Voilà, super, je sais pas, je les trouve classe, magnifiques. Elles m'ont coûté 75 centimes l'unité. Celle-là, il n'y a pas d'étiquette, mais celle-là, il y en a une. Tu vois, 75 centimes. J'en ai pris 6. Il y en avait 6, j'ai pris 6. J'ai dit, c'est bon. Moi, je prends les 6. Ah ouais, quand j'ai un coup de cœur comme ça, je te dévalise le rayon. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc voilà, donc super belle, je suis hyper ravie. Donc là, j'en ai pris 6, donc 2 plus 4 qui font 6. Je suis hyper contente d'être tombée dessus. Même la vendeuse à la caisse m'a dit, elles sont belles les assiettes. Bah, je lui ai dit, ouais. Tu veux que je t'en laisse? Et du coup, elle m'a dit non, c'est bon, vous pouvez les prendre puisque j'ai tout pris. Je lui dis, il n'y en a plus. Et je ne me sentais pas bien parce que je me disais, bah, quand même, il faut partager, tu as tout pris, c'est dégueulasse. Et du coup, donc, elle m'a dit non, c'est bon et tout, merci beaucoup. Et du coup, bah, je les ai gardées. Hein. Je ne pouvais pas résister, franchement, à ce prix-là, 75 centimes. Incredible. D'ailleurs, je vais les enlever d'ici parce que je vais les casser. C'est pas le but. Sinon, je vais avoir les boules. Ensuite donc, je vais arrêter de dire ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Je vous présente ce produit que j'ai trouvé donc au Noz. Donc c'est une eau micellaire démaquillante de la marque Le Petit Marseillais. Nous avons 400 ml, et oui 400 ml, comment vous dire qu'il y a de quoi faire, 2,49 €. Franchement je suis super contente parce que c'est Le Petit Marseillais. Et que voilà, en général, Le Petit Marseillais, c'est quand même voilà, une marque avec une certaine renommée. Hein. Donc moi, je suis super contente, quoi. En plus, c'est français, donc le Made in France, que ce soit au niveau des vêtements ou de la cosmétique, en général, c'est assez apprécié et appréciable. Du coup, j'ai trouvé un petit lot de gel douche fa, yogourt, aloe vera. Donc là, c'est deux formats de 250 ml. Donc vous avez 500 ml en tout. Et donc, il m'a coûté le lot 1,53 €. Voilà. Et franchement, bah, je trouvais que ça faisait pas cher du tout. C'est vrai que là, la douche, comment vous dire, c'est pas comme à l'habitude en fait. Vu qu'il fait 70 degrés dehors, et bien on transpire. Qu'est-ce qu'on fait? On se douche. Le problème, c'est qu'un gel douche, ça me fait 3 jours. Enfin, à un moment donné, je suis obligée de faire un petit peu le stock. Pareil pour les shampoings. J'ai les cheveux qui graissent de ouf à cause de la chaleur. Mais bon, c'est pas le sujet de la conversation, enfin de la vidéo. J'ai pris ceci, donc c'est un petit shampoing. Enfin, il n'est pas si petit, il fait quand même 400 ml aussi. Je ne sais pas si tu verras. 400 ml, donc 1,80 €. Et celui-ci, c'est le... Il y a de la kératine. C'est écrit en... Je ne sais pas. Glowy, Vlasli, Nashnege, Poskos, Kenny, Mastine. On dirait, vous savez, les Bratislava Boys, là. Le Bratislava Boys.
ou je sais pas comment ils s'appellent là, c'était leur langue, ça, j'en suis convaincue, hyper compliqué, je ne comprends rien à part le mot kératine. Cela étant dit, je pense que Tchorskov, c'est pas mal. Toujours pour rester chez Tchorskov, j'ai trouvé le conditionneur, le shampoing de la marque Gliss. Enfin, c'est Tchorskov, c'est Gliss partout. Celui-là, c'est le Summer Repair. Donc, vous voyez, j'ai kiffé le packaging. J'ai kiffé le packaging. Je trouvais qu'il était hyper, je sais pas, dans la tendance. C'est l'été, c'est l'orange. D'ailleurs, vous avez vu, moi, l'orange en été, c'est ma couleur. Du coup, pourquoi je raconte ma vie, s'il vous plaît? Du coup, je suis hyper contente parce qu'il en restait un et un. Et je me suis dit, non, là, c'est pour moi. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et vous avez 250 ml et 200 ml. Là, voilà. Donc, 1,25€. Hop. Et 1,25€. Voilà. Donc, je suis super contente. Voilà, tout ce qui est shampoing, gel douche, voilà. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Enfin, j'ai acheté. Faut que j'arrête de dire que j'ai trouvé parce que franchement, j'ai pas trouvé. Ce gel douche Dove, donc c'est pour hommes et c'est body and face wash. Voilà, c'est le corps et le visage uniquement, c'est pas pour les cheveux. Et vraiment, il sent très très bon, 1,10€. J'y arrive pas, pourquoi il... Ah, voilà. Et puis si tu le mets à l'envers aussi, comme ça, 1,10€. Et donc, du coup, il sent super bon. Je vais pas... En fait, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. La première fois, j'ai fait paf, et ça fait bleh. Et du coup, il y en a eu partout, et c'était... Je sais qu'il sent bon, en fait. Là, je fais genre, il sent bon, mais je sais très bien, puisque j'en avais partout. Donc, voilà. Ensuite, pas ensuite. Oh là là, mais c'est... Franchement, je commence à en avoir marre de ce mot. Après, j'ai trouvé ceci. Donc, c'est un petit déo, hein, Adidas, 1,99€. Voilà, je ne sais pas si tu vas avoir quelque chose avec la ring. Mais en tout cas, il sent très très bon. Vous avez 150 ml. Et franchement, moi, j'ai bien aimé. Alors, ce petit masque qui a été vu et revu et revu et revu sur les réseaux sociaux de la marque White Agafia. Donc là, nous avons combien de ml? Nous avons 50 ml. Ouais, 50 ml. Et ça, ça m'a coûté 2,50€. J'ai plus l'étiquette, j'ai plus les tickets. Tout le reste, il y a des tickets. Enfin, il y avait la petite étiquette jaune. Ça, il n'y a pas. Donc, si mes souvenirs sont bons, c'était 2,50€. Et donc là, c'est le Natural Face Mask, masque naturel visage, raffermissant et lissant. J'en ai besoin. Siberian Ginseng. Voilà, que vous dire de plus? Active Rejuvenation. Je ne sais pas. Enfin bref, t'as compris. Et apparemment, c'est un secret. Enfin, c'est un secret. C'est des grands-mères sibériennes qui utilisaient le ginseng afin de raffermir et de lisser le visage. Donc, voilà. Mais apparemment, moi, j'en ai entendu que du bien sur les autres vidéos. Donc, je me dis que, quand même, je ne me suis pas fait avoir, quand même. C'est que ça doit être pas mal. Je l'essaierai de toute manière et je vous en dirai plus. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc, c'est un petit sérum à la vitamine C. Ce n'est même pas un sérum, en fait. C'est un booster revitalisant. Et en fait, vous mélangez une petite goutte à votre... crème de jour, de nuit, ce que vous voulez, et ça vous permet en fait de, voilà, de vous donner du boost, ça permet de, voilà, enrichir la vitamine C, stimuler les effets de votre crème pour revitaliser votre peau, sublimer votre teint, elle aide, sa formule aide à protéger votre peau des facteurs externes, du vieillissement cutané comme la pollution et le stress. Donc voilà, 2,99€, voilà, vous avez 15 ml, et il se présente comme ça en fait. Vous voyez, c'est trop mignon. Après, moi, j'ai beaucoup entendu parler de la vitamine C et je sais que c'est très bien pour tout ce qui est peau un petit peu fatiguée, terne et tout ça. Donc, d'où mon achat. Ensuite, j'ai trouvé... J'ai dit que j'allais dire... J'arrête le ensuite. Franchement, là, c'est un challenge que je me fais. Jusqu'à la fin de la vidéo, il ne faut pas que je dise ensuite.
franchement, si j'y arrive, vous mettez des pouces en l'air. Parce que là, vraiment, j'en ai marre de ce mot. Donc, ces petites lingettes de la marque Oé. Donc, c'est des lingettes intimes. Vous en avez 20, 99 centimes. Et franchement, voilà, à glisser dans un sac quand tu vas faire une sortie ou que tu vas, je sais pas, tu as toujours besoin de lingettes intimes. Il suffit qu'il n'y ait pas de papier. Et puis même, pour la pépette, c'est mieux de la rafraîchir un peu. Enfin, voilà, l'hygiène intime, c'est très important. Après, j'ai trouvé ce gant que je n'ai pas trouvé, que j'ai acheté. Donc, 0,99 centimes. Voilà, c'est la Terre d'Oléane qui fait ça. Je l'ai pris en rose. Vous aviez plusieurs coloris. Et ça, c'est un gant que j'ai pris pour le visage uniquement. Parce que j'aime pas trop mélanger en fait les gants du corps pour le visage. Celui-là, il est, celui que j'ai pour le corps, en fait, il est très exfoliant. Et du coup, ça m'agresse vachement la peau du visage, je trouve. Enfin, ça me l'irrite. Et ça, je sais pas si vous voyez, c'est quand même mignon, quoi. C'est doux. Normalement, il devrait faire son travail. Voilà, donc aussi, ah j'ai dit aussi, j'ai eu peur, je croyais que j'avais dit, donc ceci, donc une lotion tonique Nectar, 1,99€, je sais pas ça coule, je sais pas si vous voyez, mais qu'est-ce que ça pue, franchement, n'y allez pas, foncez pas. Ça a beau être bio, ce que vous voulez, l'odeur, elle est infecte. J'ai l'impression, franchement, ça sent bon les fleurs, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est un peu trop. Là, c'est un peu trop les fleurs, trop de fleurs tue la fleur. Je ne vous ai pas dit, donc 1,99€, c'est une lotion tonique et c'est 200 ml. Mais franchement, je ne suis pas convaincue, donc je ne m'attarde pas dessus. Moi, pour moi, c'est déjà rien qu'à l'odeur, là, ça me... Je vais le mettre là parce que je sais pas, il coule. Pour continuer, j'ai acheté. Ça, alors ça c'est le. M'étouffé. J'ai mouru. J'y parle trop vite. Je sais pas, c'est le soleil, je suis. Ouf. Au taquet, et puis ça fait longtemps que j'ai pas filmé, du coup I'm exciting today. Du coup, trois petits sprays. Celui-là, c'est le Fix Summer Glow Finish Spray, c'est le 183 days. Voilà, j'ai rien à dire d'autre. Le packaging est trop mignon. Quand tu pchites, ça sent bon. Franchement, ça sent super bon. 75 centimes d'euros. Pas 75 euros. Et donc, c'est un spray fixateur maquillage, en fait. Tout simplement. Vous avez 60 ml. Et donc, c'est 183 days qui fait ça. By DM, en fait. C'est DM qui fait ça. Vous avez la même chose comme ça. Et là, en fait, c'est matifiant. C'est une base. C'est pas un spray fixateur, mais une base. Donc, du coup, il y en a une pour vous. Elle sent divinement bon celle-là, je trouve. Ouais. La vôtre, je vais la mettre là. Hein. Hop. Et la mienne, je vais la piquer. Ça sent trop bon. Super bon. Ça sent le bonbon, la barbe à papa, je sais pas, mais en tout cas, ça sent bon. Ça c'est bon. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, donc oui, il y a quelques produits que je vous mets de côté, tout simplement parce que je compte faire un concours, mais ça, je reviendrai sur le sujet à la fin de la vidéo, tout simplement. Donc, il y a aussi ceci que j'ai acheté, donc c'est de la marque toujours 183 Days, c'est la Bananas Pearl Face Perfector. Voilà. Hop, vous avez la petite houppette sympathique. Il n'y a pas d'odeur, pas. Ça sent pas très bon. Non.
C'est chimique, ça sent pas. Enfin, il n'y a pas d'odeur, mais c'est une odeur. Vous savez, ça sent la chinoiserie quand les produits arrivent d'AliExpress ou de je ne sais où, ben ça sent ça. Bref, je n'ai pas reniflé comme ça pendant 20 ans, mais en tout cas, ça m'a coûté 75 centilitres, pas du tout, 75 euros, centimes d'euros, voilà. Franchement, ben écoutez. En tout cas, les perles, c'est sont très jolies. Elles sont nacrées et tout. Et je me suis dit, why not? Mais je ne suis pas emballée par l'odeur, en fait. Hein. L'odeur ne me dit pas trop. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Mais après, il n'y avait pas beaucoup de produits de cette marque-là, 183D. Je ne sais pas. J'ai dû arriver, mais après qu'ils aient posé, en fait, les produits, ça a dû partir. Et du coup, bon, après, je dis ça, mais j'en ai quelques-uns. Alors, après, toujours 183 days, 75 centimes. Là, c'est un petit baume, mais il n'est pas trop soupi. Oh, c'est trop bien. J'aime trop, il est trop choupi. Donc, c'est un baume à lèvres et j'adore les chats. Et du coup, franchement, il ne vous fait pas de l'œil à vous aussi. Regardez sa tête, elle est trop mignonnette. Faites pas attention à mes ongles, ils sont dégueulasses. Mais je dis dégueulasses, je vais les cacher comme ça. Je l'aime. C'est mon nouveau compagnon que vous aurez peut-être dans votre sac un jour. Si l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous gagne le lot que je vais confectionner pour le concours. Donc, il est plutôt sympa, c'est un baume à lèvres. Je le trouvais trop cute. Donc, ça, c'est pour vous. Pareil. J'ai pris des lingettes pour le sol, 99 centimes de la marque Maxi Clean, aroma lavanda. Vous avez 10 pièces, 99 centimes et c'est pour le sol. Donc, des lingettes, c'est basique, rien d'extraordinaire. Un peigne à queue, voilà, hop, ça pour mêler, etc. 75 centimes. D'ailleurs, vous excuserez ma coiffure parce qu'elle ne ressemble à Wellou. Je peux pas, avec le soleil, je peux pas. Je me lisse les cheveux, je perds 20 kilos. C'est incroyable, mais c'est pas possible. Enfin, voilà. Ensuite, oh, j'ai perdu. Oh merde, j'ai mis du rouge à lèvres partout, je suis deg. Bon, vous avez rien entendu. Après, c'est après qu'on entend trop. Je sais pas quoi dire, aidez-moi. Donc du coup, de la marque Bitik, une petite palette pour les yeux, très très bien. €1,39€, voilà, €1,39€, et c'est la quoi celle-là, la High Fever, pardon, je bug un petit peu, la High Fever, et elle se présente comme ça. Voilà, vous avez le petit miroir et les fards sont comme ça. Moi, je la trouve pas mal du tout. D'ailleurs, celle-là aussi, elle est pour vous. J'en ai une que j'ai déjà un petit peu testée. Les fards sont quand même assez pigmentés. Le prix est quand même très intéressant, 1,39€. Alors que sur leur site, elle est vendue quand même 16,95€. Donc, je trouvais ça sympa de vous mettre ça dans un concours, sachant que le prix initial est quand même pas donné. Et en plus, la qualité des fards est pas mal du tout. Celle-ci, donc la Galactic Juice, 1,39€. Donc là, c'est que des fards pailletés. Voilà. 183 days by DM. Voilà. Un peu holographique, vous voyez. Hop, celle-là, la Universe Milk, celle-ci, 1,39€, super, parfait. Pareil, je vais vous en mettre une, mais je ne sais pas trop laquelle encore, donc je ne peux pas vous dire je vous donne celle-là, enfin je vous mettrai celle-là ou je vous mettrai celle-là, je ne sais pas. Je suis complètement indécise, j'aime beaucoup trop les deux et du coup, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop du tout. Mais bon, je pense que c'est celle-ci qui sera pour vous.
le violet et tout ça, c'est vachement tendance. Donc, je me dis que... Voilà. Pour vous faire plaisir. Donc, ça, toujours pour rester chez Bitik, la même palette que je vous ai montrée tout à l'heure, sauf que celle-ci, c'est la High Pulse. Celle-ci aussi, je l'ai testée. Elle est parfaite. Voilà, petit miroir. Les pigments sont super. J'aime beaucoup trop. 1,39€. Mais bon, il y en avait pas mal qui étaient swatchés. Donc, du coup, celle-ci était swatchée en l'occurrence déjà. Mais les autres, j'ai eu de la chance. Il y avait le petit plastique au-dessus. Et la YBSC001. C'est un nom de super-héros, ces trucs-là. BSC001. Donc, du coup, pareil. Voilà. Sauf que là, c'est des couleurs un petit peu nude. Voilà. Donc, 1,39€. Super. Il y a le petit miroir. Si jamais vous êtes amené à voyager, bah écoutez, c'est le genre de palette qu'il vous faut. On a bientôt terminé, il me reste quelques petites choses et après c'est terminé. Donc des pinceaux, je ne vais pas m'éterniser dessus, ils sont tous les trois à 99 centimes. Celui-ci c'est un pinceau plat, celui-ci pinceau plat toujours avec la petite, le petit manche en corne de licorne. Et celui-ci rat-de-cil, voilà, 99 centimes et franchement super. Il me fallait des pinceaux parce que, du coup, voilà. Ça, c'est une poudre de baking. Vous aviez la marque 183 Days, vous avez plusieurs, enfin plusieurs. Moi, j'ai vu deux coloris. C'est flou ou je rêve? Non, c'est bon. Vous aviez deux coloris, la dorée, celle que j'ai prise moi, parce que ma carnation, c'est plus jaune doré. Et il y avait rose. Donc, pour les peaux plus claires. 99 centimes. Voilà. Et franchement, le packaging, j'adore par contre. Pour 99 centimes, je trouve ça trop joli. Ça fait quand même quali. 99 centimes avec la houppette. Bon, c'est bon, on a compris. 99 centimes. Voilà. Et c'est pareil, le voilà. Le voilà, il est toujours là. Ça, c'est bon. Ensuite... Vous n'avez rien entendu toujours. Ça y est, je suis énervée. J'ai perdu mon pari, je ne suis pas contente. Là, des masques pour le visage. Donc, les zéro imperfections. Voilà, tout ça. De la marque Ayasei, la pose cocooning. Effet belle peau, super bien, rien à dire. Je suis super contente. Effet jeunesse, sublime lift, ça c'est pour les lèvres, parfait, toujours Ayasei, 99 centimes également. Ça à chaque fois que je les trouve, je fais ma réserve. D'ailleurs, je vous invite à faire la même chose parce qu'ils sont très 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 bien. Vraiment les filles, allez-y, foncez. Toujours de la marque Ayasei, j'ai trouvé donc des, comment dirais-je, des masques capillaires. Donc, celui-ci, c'est sous forme de Charlotte, comme celui-ci d'ailleurs. 99 centimes, toujours. Voilà. Ça, c'est des nouveautés, hein, parce que ça, moi, je n'avais pas vu. Enfin, je ne connaissais pas. Ça, c'est pour les cheveux colorés. Celui-ci, c'est le détox. Et celui-ci, anti-raplapla. Voilà, donc à essayer. Vous mettez la Charlotte, vous laissez poser. Et puis ensuite, c'est terminé. Ça, c'était original. Ça m'a un peu perturbée, c'est la première fois que je vois ça. Donc là, c'est pas sous forme de Charlotte. Enfin, si, c'est une Charlotte, mais c'est juste pour la queue, en fait, de cheval. Et c'est le soin nutri intense pour pointe séchée. Non, pas pour pointe séchée, pour pointe sèche, terne, abîmée ou fourchue. Ça, franchement, j'ai hâte d'essayer. Et j'espère que ça va marcher, parce que moi, le fer à lisser, il est en train de tuer mes cheveux. Donc, 99 centimes. Je dis qu'il faut y aller, moi. C'est les Ayasei, là, c'est vraiment une super marque. Il y avait celui-ci aussi, je l'ai oublié. Le patch anti-fatigue, vous savez. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Hop, 99 centimes. Le petit savon, ça c'est pour homme, 1,39€. Voilà, et l'odeur, c'est l'odeur caraïbéenne.
Qu'est-ce qui sent bon? Ça sent le parfum. Le parfum. Le parfum pour homme, en fait. Franchement, il est super top. L'odeur, en tout cas, il va tomber par terre. J'ai trouvé des petites pantoufles. Non, c'est pas des pantoufles. Des petites baskets, ou je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. C'est quoi, des espadrilles Je l'ai trouvé mignonne. J'aimais bien le côté comme ça, un petit peu ouvert, avec les petits lacets et tout. Elles sont hyper confortables. La semelle, elle est top. C'est de la marque Ardenne. Voilà. Et elles m'ont coûté 2,99€. Franchement, super contente. Donc, je les ai pris en taille 7, qui correspond à un 37. Tout simplement. Pardon. Parce que vous remarquerez que pour les chaussures, en fait, Ardenne et compagnie, là, c'est 6, 7, 8. Voilà, donc 7 correspond à ce 37. Je ne vous apprends rien, mais voilà. Pour terminer, c'est l'heure de la Pepitas de Las Vegas. J'ai trouvé ce que je cherchais depuis un moment. Je fais durer le suspense. Et franchement, je regardais sur Internet. Ça coûte une blend. Enfin, je trouvais que ça faisait cher pour ce que c'était. Donc, j'ai trouvé sur Groupon, 19,99€. Sur d'autres sites. Même sur Cdiscount, c'était pas donné du tout. Comme quoi, dans la vie, il faut patienter. La patience est une vertu. Et tout vient à point. À qui c'est attendre? Voilà, c'était le moment philosophique. Donc, j'ai trouvé ce petit tapis. Enfin, il n'est pas si petit. C'est un tapis d'extérieur, en fait. Voilà, réversible. Vous pouvez mettre de côté blanc, comme ça. Et j'en voulais un pour mettre dans mon balcon. Et franchement, je suis super contente. Il fait 1m90 ou 1m80 sur 1m30. Je ne suis pas trop sûre. Mais franchement, allez-y, 9,99€. Franchement, je ne pense pas que je trouverai moins cher. Je suis super contente. Voilà les filles. Donc, ma vidéo a encore duré une plombasse. Mais bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Vous m'aviez manqué, donc du coup, j'étais obligée de vous raconter un peu mes péripéties. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir. Merci de vous abonner, merci de laisser un petit like, merci de commenter, les pouces en l'air, enfin voilà, c'est la folie, vous m'écrivez, je vous réponds, voilà, que vous dire de plus, voilà, ben, j'ai été ravie les filles, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, et puis ben, hydratez-vous avec cette chaleur, et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, bisous.